développement que nèg qui gèz ami légal nan men yo kené les bandits qui le terroriste qui ki ba toute qualification mais nous connaissons déjà qui est yo et yo identifié tête yo et yo parlé dans la presse yo parlé à travers réseau social ça veut dire nous de qui est yo et nous connait qui nous yo gagné tout mais ensemble monsieur ça qui déclenché par contre comment karelil est-ce que c'est un mouvement et qui Jean Odile là pour déchouquer craser système non est-ce que c'est un mouvement pour yo capable Jean Odile capoter Ariel Henry bon c'est ça yo dit mais nous même comme journalistes et comme secteur d'opinion nous était à regarder qui ça quoi finalité bataille ça parce que c'est ça barbecue dit c'est ça toute équipe l'a dit nous même nous pas qu'on connaît sauf que n'a partagé avec les internautes nous ensemble éléments information que vous devez connaître à travers émission nous mais bamba nous ça comme information que moi même Blaise et des Ivenes non ça que nous dit dans émission de fait ailleurs hein. Nous t'ai dit que selon maître Anel Rémy qui c'est responsable collectif cadre et avocat cap défendre droit mon cadeau, il t'ai dit que n'a donné que le gagné sous 3000 combien prisonniers qui étaient en dedans prison hein, et pénitentiaire nationale, mais je t'a recensé après Andy mais évasion fait dans prison hein, après que bandi ça a fin attaqué prison hein, mais je t'a recensé 99 qui t'a arrêté en dedans prison hein. Mais laissez-moi dire, d'après un confrère que moi-même, moi, qui sous place, et dans la pénitentiaire nationale, et qui t'a matin, qui c'était dimanche 3 mars, là, dit que le constaté devant prison, il remarqué 3 cadavres, bon, sûrement 3 prisonniers, c'est ça lui-même, lui, ouais, bien dit, c'est ça que lui-même, lui, ouais, il partageait avec que moi-même, cité. Et en même temps, tout, il dit que, l'el gardé en dedans de prison, hein. Est-ce que gon espace que ou minego krasé vraiment? Il dit bon lui-même, la limite que t'es arrivé, hein, li pas trouvé gon espace mi t'écrasé. Mais selon lui-même, et compréhension pâle, observation pâle, c'est comme quoi c'est à une barrière, nego krasé, nego pété, soit cadre dans mes salaires, et puis qui facilite que prisonnier aller et sauver dans le niveau sauvé. Hein. Selon ça que lui-même lui dit, parce que lui-même, il était sous place et il partageait ça avec moi, et moi partageais la avec nous. Mais kouna, comme on a ensemble information kap bay kap dit, et moi prends ça sans même confrère nan diyan t'es sous place et me partager là avec nous mais kounya li rete pour nous tendre pour nous suivre qui sa autorité nan d'après dit et qui sa autorité policière pral dit et qui sa CSP nan pral dit après ça rivé en là des Ivenes comment est Ephrem l'invitation et nous content à cou est-ce que nous en forme n'a dit non pas en forme dans pays a nous là n'a chambé nous content l'autre fois on avec Zami Internet Blaise Info point nouvelle et pour nous au moins venir informer sur ce qui a passé en dedans pays d'Haïti surtout qu'on est actualité à Kembe depuis un bon bout de temps sous question Zak Brigadier insécurité captaï banda côté nègre comporté comme des terroristes à attaquer ensemble institutions qui estimé qui pas faire au bien dedans pays a en pile monde constaté je dis ça son plan qui bien charpenté et qui a privé à exécution la situation dans journée dimanche là. Eh bien, base Simoa te trouvé dans une situation très difficile. Selon Sinapoa qui t'a lancé des SOS, qui fait quoi que base Simoa te trouvé dans mi-temps pour Bibiti 8 bases gang. Delma D, Delma 4, Delma 6, La Saline, Waf Jérémy, Tokyo, ak Cité Soleil, Simon Pélé. Ensemble, zone sa yo, te encerclé. Base Simoa, ou ta kadi, dans quelle situation que M. Damson qui est dans Baza capable de trouver dans juste là. C'est des situations qui continuent à dérouler malgré tout SOS qui a lancé Blaise Peterson, c'est presque sans effet. Malheureusement, pas un rien qui est fait. Dans quatre évasions, ça a tout Blaise Peterson, il y a plusieurs dizaines de prisonniers qui perdent la vie pendant que les gars qui ont tenté ou te faire évasion de la prison. Confrère nous dans le métronome confirmé, même gens. Et journaliste photographe Ralph Erol te dit et témoigner ça lui-même les constater plus passer une trentaine cadavres de prisonniers qui en terre. Question posée. Ça veut dire chiffre varié là, chiffre varié. Et ça veut nous dire que c'est autorité qui va nous détailler sur ça. Confirmez vous nous. Chiffre vraiment varié. Chiffre vraiment varié Blaise Peterson et je dis hein, qui permet que nous par contre qui côté nous. Nous te dit ça dans l'émission qu'il nous fait dans journée et dimanche analyse qui a venu là information qui a venu là. Depuis ces informations, nous avons au conditionnel de l'échec nous qui vérifions. Yeah. Mais toutefois, c'est des confrères qui baillent, nous avons avec crédit. En façon, nous-mêmes, pour nous kembe
ça nous gagne comme crédibilité dans l'information que n'a pas bon ici les situations mais situation pas pas belle du tout cabaret nek exam mettez du feu non commissariat cabaret plusieurs moun blessé à balle ça te cause moun na commune kaye te trouvé dans des situations très paniqué pendant journée dimanche là les personnes nous pourra détailler nous pourra regarder ensemble pour ça avec amis et internautes mais ça nouvelle les infos pas une nouvelle pendant n'a pas informé tout gouvernement la honte là Ariel Henry sorti une note pour faire quoi que police ont fait en pile résistance avant bandi yo te rivé joindre chance pour te pénétrer pénitentiaire nationale pour te mettre mon dieu et les féliciter population que li dit qui toujours qu'elle est calme face avec situation de désinvitation. Yvan André Joseph, comment est-ce que vous nous comptons avec vous jeudi à la nouvelle émission, puisque nous avons parlé déjà, mais Kounia là, bon, c'est toujours presque le même sujet, mais comme Kounia a une urgence qu'on péril dans la demeure, nous sommes obligés encore faire appel avec vous. Comment est-ce que Yvan André Joseph? Eh bien, désinvitation, nous là, nous là, nous et nous là, puis nous avons assumé. À un certain niveau, pour permettre que, en tant qu'acteur qui sous terrain, cap suivre la situation, et que pour nous continuer, pas perdu, et contrôle, et même si il y a un même, il y a un temps presque dépassé nous dans ce sens. Cap saluer tout internaute et sa nouvelle, cap saluer d'autres, saluer, saluer, nous saluer. Et désir menait et un camarade qui avec au cap qui accompagne moi quoi que je dis en un devant situation est très corsé et très difficile parfois qui coupe un appel là il va entrer bah c'est côté à ses positions hein bah qu'on est bon comme qu'on est depuis après et ça passe qu'a passé dans cette ville là qui a un problème communication difficile bah qu'on est mais parfois qui petit coupe un appel là bah qu'on est sur ce voie bien Yvan André Joseph. Est-ce que là, plus ou moins, autant de mots? Oui, de plus ou moins, et très clair tout. Très clair. Alors, justement, pour continuer sur même là, c'est que Mdabdino, nous, voilà que je dis, nous retrouvons dans une situation assez difficile. Et pas pour moi-même, mot pour qualifier ensemble d'événements qui ont évolué là-haut depuis tantôt. 29 jeudi 29 février. Mais on nous dit que son pays qui était déjà dans le lambeau, nous tous nous connaissons ça. Et son pays, presque à 4 mois, on connaît la situation que était déjà abusée, ok? Avec question d'hommes, de femmes, à garçons qui prennent tête en l'état en otage, qui pas réglé un lien, qui amusé ou abjoui, qui c'est des jouisseurs, qui amusé ou n'en jouit. De l'argent contribué à l'eau, ensuite gaspiller tout un ensemble de périodes dans la population, côté que bien des bagages qui étaient capables de et remettre en question le plus vite que possible pour te permettre que nous parlions des solutions avec eux. Mais comme c'est des nègres, et pour moi-même, des véritables bandits de kidnappeurs qui prennent l'État en otage, donc on est là, et qui a fait la honte de ce peuple qui menait des grands combats dans l'existence libre. Que ça la vive jeudi, hein, c'est pas la réalité même rêvée, voire même jeudi, elle est en pleine réalité, qui va jamais souhaiter. Ça veut dire, est-ce que nous avons parlé d'autorité? Malheureusement, nous sommes en des camarades qui font intervention sur question autorité, la parlé, mais est-ce que l'autorité dans le pays jeudi, mon cher, c'est vraiment un pile point d'interrogation, pas d'un gros point, non, mais c'est un pile point d'interrogation. On n'a pas le soin de saluer tout notre camarade qui est embarqué, qui était accroché dans le combat pour nous joindre sortir de crise dans la situation. On a salué différents camarades qui sont au niveau de structure côté moi-même, moi sorti, qui c'est Forum des Forces des Organisations Syndicales et Populaires, qui c'est Force Eco. On a salué camarade Claude Georges, on a salué camarade Kader, on a Mokafou, on a salué tout notre camarade qui été accroché dans la bataille là. N'a salué tout spécialement encore, même Jean Noufel pour Force Impo, n'a salué et toute équipe Montana que nous connaissons, nous pas capable passer de ça pour ne pas saluer président Lua à Montana, Fritz Alphonse Jean, qui
pas trop longtemps là, qui sont fait une intervention justement sous question dernière situation qui évolue dans le pays hein, et qui fixe position davantage pour que nous mettions en garde que situation qui a passé là, c'est purement du vagabondage étatique des autorités qui peuvent payer ça comme uniquement une vache à lait pour nous soucier, mais puis qui ne paguent rien comme obligation, qui n'est pas estimé qu'il n'y a rien comme obligation pour desservir le pays. Hein, et ça prouve encore une fois son ensemble de malfrats qui n'ont rien à revoir avec la question de la gestion de la chose publique. Comme dans le commencement, on t'a déjà parlé, on dit ou pas, je ne pour ta qualifier ça crivé là, mais m'a posé question quand même, et laisse ça, je vais permettre que vous puissiez élaborer avec ça pour avoir comme élément de réponse, parce que si certains, pendant, ou quand même, on a joué un mot pour qualifier ça crivé, hein, et ça commence à produire dans le pays depuis jeudi 29 février, hein, Yvan de Joseph. Qui réaction ou même comme acteur politique, et comme citoyen d'abord, et comme acteur politique sur ça crivé, hein? Comme citoyen d'abord, c'est que moi je senti que consterné par rapport avec ça qui a passé nous là, parce que nous c'est pas compétence que nous avons dans le pays hein, et qui t'a capable et qui peut empêcher que nous arrivions côté nous rivions là et ensemble de compétences ça valeur ça et au mépris comme si ensemble de la femme qui prend tête l'État en otage, empêcher que ça y est, compétence ça y est, y a mis capacité en exergue pour ta répondre avec dynamique et réalité en mode pour que tu aies une solution qui est appropriée à la situation. À cause de blocage ça, malgré toute tentative qui est faite sur le plan d'Akabado au niveau de la société civile, pas même. Et tout d'abord, on dans l'aspect politique, on a parlé de acteurs politiques. Société civile a fait de beaucoup d'efforts, de multiples efforts et de multiples concessions pour éviter depuis presque 30 mois que l'équipe, monsieur Sao, si monsieur Akfam Jouisseur, et délinquant Sao, prend tête l'État, qui gagne Ariel Henry, qui a dirigé. Je dis, malgré tout appel qui était fait, malgré tout communication, malgré tout chita parler, pour éviter que le pays arrive dans une situation difficile, ça, eh bien, ils ont pris mal le plaisir, ils ont empêché des citoyens, des citoyennes qui voulaient jouer un rôle avant-garde, là, au moins des avant-gardistes, qui mûrement réfléchissent que je dis, pour empêcher Magala d'arriver là, eh bien, si monsieur Akfam, qui croit que Québec paye en otage, prend la vie population en otage, et bien c'est l'État, c'est ça qui est plus bon pour nous. Ça, c'est l'aspect d'Atababdo, côté que nous sommes très déchirés en tant que citoyens, nous sommes que nous blessés dans nous blessés dans sa nous bataille pour nous empêcher pays ça d'arriver là. Et puis je veux dire, c'est ça qui a gardé devant chez nous, nous sommes que nous vraiment frappés dans la profondeur. Et vivons dans la profondeur, ça nous gagne comme valeur et comme peuple qui fait l'histoire comme ça. Eh bien, je dis, nous, citoyens, pas un mot, nous pouvons pas jouer un mot pour nous qualifier des dégâts que le gouvernement a orchestré tous les jours par le biais de ces sbires, ces délinquants, ces malfrats, ces voyous, ces trouillants. Eh bien, je dis, nous estimons que c'est terrible et nous croyons que. Et les pages de l'histoire, l'avenir de ce pays, qui ont jugement que nous faisons contre femme à garçon ça qui est impliqué dans le pays là, qui est sur le plan politique, en tant que responsable politique, nous pouvons que nous-mêmes, nous bataillons en pile, pour côté par nous tous, parce que nous sommes dans la société civile là, ok? Dans la société civile là. Tout de suite après les acteurs politiques, qui étaient conscients que malgré ça qui divisait nous, malgré ça qui empêchait que nous gardions Bagayo peut-être à même regard, mais nous étions en tonne à plusieurs acteurs politiques. Ils ont rencontré même société civile, ils ont rencontré même secteur privé, ils ont rencontré même secteur religieux, et pour discuter sous situation, et même au niveau de la communauté internationale.
que malgré tous les efforts multipliés depuis presque 30 mois, ouais, malgré les efforts que nous consentis, malgré les situations et vraiment intenables que nous vivons avec des quelqu'un qui prend tel pays en otage, nous te cherchons à tout et par tous les moyens pour te empêcher pays en vie sombrer dans sa lieu-là. Malheureusement, nous, ouais, c'est des menaces parfois, c'est des persécutions politiques. Nous, ouais, c'est plus machination qu'a fait pour bloquer toute manœuvre côté que pour nous te bloquer des rives qui arrivent là. En même temps, ils ont allé jusqu'à l'argent de caisse l'État, ok, pour faire lobby au niveau de l'international pour capable de des supports au niveau avec des gros babines dans l'international pour faire comprendre que ils doivent toujours être là parce que et pouvoir ça, ces petits pouvoirs par eux, ces petits bagages gérés intermesquins, eh bien, qui la cause? Ah ouais, plus loin que point de néo, non ouais que seulement c'est fourrer mes plans, non ouais que c'est seulement et jouir de l'État, de sa l'État comme privilège, eh bien, je dis, hein, c'est peu, bas instinct, mon sao, petite question, mais hier dans sa tombe là qui c'est vraiment regrettable que nous condamner et franchement on pense que pas trop bagaille ça pas qu'à prendre plus longtemps faut payer débloquer avec délinquants ça prend tête pays ça qui décide de prendre pays en otage parce que nous t'ai déjà dit il y a de cela près de 2 ans et demi depuis nous dit attention ce bonhomme qui s'appelle monsieur qui s'appelle Ariel Henry. C'est un véritable délinquant qui pagaye l'autre bagaille dans la vie et conduit le pays vers une catastrophe, vers une guerre civile, vers une situation que personne ne peut contrôler. Et de fait, M. Mene pays à là. De fait, M. Mene la vie population, que l'on était déjà fait, bandit fait, en pile massacre dans le quartier populaire, délogé Mounio. Je dis, regardez, et Blaise, et Désir, nous avons dormi dans l'espace côté machine. Qu'on a fri, nous ne parlons sous qui court, qui va nous courir encore. Nous avons encore debout à dormir. Mais surtout avec ça passé hier soir et encore jusqu'à journée dimanche là, cadavre à terre, cadavre qui boule, cadavre qui a mangé. Ça veut dire que, écoutez, ce type là, c'est un élément vraiment affreux, Ariel Henry. C'est un élément affreux. C'est un pathétique. C'est un sociopathe. Et c'est pas un élément pour nous continuer à jouer à monsieur et nous exhorter, comme nous t'ai déjà fait, ça y est 2 ans et demi, probablement 3 ans, nous t'ai dit pour nous, ni l'international, ni ces messieurs et ces messieurs et dames de la CARICOM, faites attention avec l'élément de jouer ça, parce que type ça, c'est vraiment un élément pathétique, son sociopathe, nous n'avons pas qu'à continuer à supporter. En avance, et encore plus, je dis en bas. Ne va l'avancer les yeux. On va l'avancer. On va finir après ça va déjà avancer. Imaginez comment pour un acteur comme Biden, mais souvent comment Biden fait à supporter l'administration de Biden, trouver à supporter un élément aussi ridicule, aussi nul d'une nullité absolue. Donc Ariel, le criminel, l'assassin de Ariel, comment pour l'administration américaine, comment pour la société américaine, et chaque fois nous toujours faisons un dire, comment on fait supporter ça? Est-ce que c'est exprès ou fait? Qui ça a été fait? Ou c'est ça qu'il a fait à venir? Pour ce type de oligarque pourri ça, il a supporté le pays. Pour ce politique pourri ça, on continue à supporter. Ça veut dire que ça a été fait pays ça. Nous pensons que je veux dire. Le peuple haïtien a besoin de redéfinir la France. Je dis, même les Français qui trouvaient dans des situations où il a prononcé un sou abus, méchanceté, pays au fait Haïti. Le Canada, je dis, des Haïtiennes qui l'ont décapé, des parlementaires qui ont pris leur sous comportement raciste, vagabondage, que ensemble de pays ça a pu fomenter. Contre la nation haïtienne. Je veux dire, nous y venons au moins. Est-ce que Biden est capable de continuer le même comportement ça? Est-ce que l'administration américaine, le peuple américain, est-ce que nous capables de dire nos 700 000 Haïti,
comme moi-même, je connais, par une question des amicaux en matière de relations entre deux peuples, capable au niveau de compréhension du monde par rapport à son développement de la population. Mais écoutez, c'est toujours une question d'intérêt. Mm-hmm. Malheureusement pour nous, la Haïti, ensemble de voyous qui parfait, qui pas en mesure pour faire vis-à-vis, qui pas de bons interlocuteurs pour payer. Le plus souvent, c'est toujours des mariages okay. pour voir payer, conduire payer, dans le tombé là. Et Biden, je crois que ça va passer en Haïti là, l'administration de Biden, l'administration d'Emmanuel Macron, l'administration de Trudeau, justement, pour beaucoup de complicité avec ensemble de dégâts en Haïti là. En avance, des Venez. En avance avec même ces questions qui pour avec la situation paysan et puis pour vous en place dans tout ça. En allez. Très bien, André. Et comment vous-même, comme responsable des partis politiques, comme militant, comme protagoniste qui sous béton, qui était dans mobilisation anti-gouvernementale, qualifié ZAC évasion qui fait dans et pénitentiaire nationale là? Purement et simplement, nous allons répondre sur la situation. Ça, écoutez. Et, je dis, ça passe de hier à jeudi, mais écoutez, nous connaissons Désir Ménès. Ça, c'est plus que. Et puis, pouvoir ça, qui sans légitimité, qui pas légal, qui pas légal, même jeudi, même un accord, même un consensus, si pas de la mer, c'est toujours itinéraire, côté la mener pays. D'ailleurs, le bonhomme qui est là, c'est toujours que lui qui a sa agenda président Mounia. D'accord? Et je veux dire, nous sommes qui montrait à clair que lui plus, comme si plus cynique davantage que son monde a imaginé. Je veux dire, écoutez, vous avez déjà assassiné la population en masse. Fait massacre. Tu as déjà fait tout fraude qui gagne dans l'État. N'a crasé qu'est-ce que parce que son président. Très bien. Il n'y a aucun consensus. Il va dire parfois. Il va dire là. Il va dire. Ou là? Parfois. En pile monde, en pile l'autre acteur, en pile l'autre acteur qualifié ça qui passe dans la pénitentiaire nationale là, t'as lié avec ça qui vient pour avec ordonnance que juge Walter Wissé Voltaire. Sauti dans le cadre d'enquête qu'elle te gagne pour te mener sur le dossier assassinat président de la République Jovenel Moïse. Vous partagez une idée comme ça? Pas de partager une idée comme ça pour plusieurs raisons, parce que comme dit non. Et écoutez, bien avant la question de l'ordonnance, ça a toujours gagné des bruits pourri que pour que les gens classent en prison. Nous-mêmes, comme journalistes, enquêteurs, nous songeons que des rumeurs qui ont déjà couru sur question projet que nous avons pour faire craser prison, mettez en pile l'autre et trouillant dehors. Nous songeons l'histoire de ça. C'est pas la question. Pour faire craser prison, c'est là où bon côté de nous, qui intérêt, qui souci, que nous avons un projet comme ça. Là, je pense que ça me capable d'avancer que tout le monde qui a déjà connu la population, toute mobilisation que le fait, il était toujours abstrait de côté que nous dit. Projet Nagyo, c'est craser prison, mettez pays, mettez tout bandit dehors, mettez toute situation, créer une situation de la trouble totale dans le pays pour permettre que vous soyez capable de joindre, pressé la question d'intervention des forces étrangères. Ça, mais c'est projet du gouvernement. Il y a une coïncidence là, coïncidence, Ariel Henry allait au Kenya, dans l'idée pour signer un accord pour faire venir force que vous faites mentionner là, et puis Nek Akzamio attaqué. Commissariat Boripo, yo attaqué sous-commissariat et Delma 3, pour aller au GAN. Delma 3, plusieurs policiers perdent la vie dans quatre interventions. Selon vous, c'est parce que c'est un complot des gouvernements avec la communauté internationale là pour justifier pour force étrangère à venir? En clair, la population depuis presque 2 ans et demi, il était clair depuis le. Henri a fait déclaration, il a fait voyer, Génie, il a fait grimace dans question dynamique négro. Premièrement, international a connu que tout pays a fait demande. Il est clair, Ariel Henri a autorisé
et ni légitimité, encore plus question légalité, pour que lui fait genre de demande ça, ok? Kounia, comme nègre connaît tout ça, yo vin sous table. D'ailleurs, nègre fait Ariel Ariel après cinéma. Monte au Kenya a signé document. Qui est-ce? Avec qui? Avec quelle légitimité? Avec quelle légitimité? Ruto, c'est pour montrer, c'est un petit point et tout, même avec Ariel. Et certaines, la communauté internationale, là, spécialement aux États-Unis, a manœuvré. Parce que je dis là, mais Ariel connaît que il n'y a pas de aucun moyen pour faire force en ville là comme ça, eh bien, n'a créé sa relais, il a tenté de créer sa relais. Non seulement mettre la guerre civile, créer la troubade totale, côté que il n'y a pas aucun monde qui a contrôle, seul le même qui a bien contrôle si toutefois force étrangère a contrôlé, pour venir protéger l'intérêt et protéger ensemble de dégâts qu'il a fait en d'un pays et d'autant plus aller plus loin pour les jeunes amis. Selon vous, ça va passer à la groupe monde qui va contrôler, ça va passer et pile nek exam qui va contrôler la police avec drone en l'air tout côté que la police fait ou qui contrôle la police. Vous pensez qu'un groupe monde qui va réussir qui contrôle situation ça non niveau qu'elle arrive là, c'est pas conscience nek exam le prend là par exemple à part monsieur net levé là de CARICOM Michel Kenya là c'est des documents pendant monsieur de Yora. Et puis tout dégâts sont passés là. Ou sont clairs un peu plus dans l'analyse pour là. Ou sont clairs? Et la population te connaît que projet négro, puisque vous ne connaissez pas besoin de moyens pour faire face à la réalité, seul moyen que vous avez, c'est créer la bagaille, créer un chaos en d'un pays. Puisque le chaos, le ça, vous avez un bon paramètre qui ne peut pas tenir compte encore, ou avez droit, et que vous avez des interventions qui ne peuvent pas faire de manière directe, comme une question à l'ONU. Parce que, pas oublier, bon document que des ex-américains même, qui fait des experts hémisphériques préparés pour lui, qui ont le Global Fragility Act. À travers le document, ça, Haïti, c'est le pays et que vous voulez implémenter le plan ça. Deuxième pays, côté de l'implémentation de plan, c'est Kenya. Kenya lui-même, ambassadeur aux États-Unis, dès qu'on joue, il a couru peut-être tout un petit monde petit de Pinocchio pour rapidement, il est capable de considérer de leur façon, contrairement avec Jean-Tévla, l'implémenter plan là, Kayo. Parce que pas oublier que Kenya fait partie de pays qui ont plus de situation de sécurité, nous tout comme ça. Mais il y a une bonne sécurité ici. Pardon? Il faut mettre plus de sécurité bon ici, pas de pas de sécurité la caillou. Pardon? Ça veut dire il y a une bonne sécurité pendant ce temps que on même clairement dit que la caillou plein problème de sécurité, que de comment on monde qui a problème déjà la caillou, qu'a venir aider un autre qui a problème encore lui-même. C'est ça désir le dit. Comment dire lui? Je joue à l'intelligence même puisque je connais américain des forces pour fondre ces batailles. Là où est que New York comme deuxième pays qui n'a plan de la fragilité à plan, eh bien, eux-mêmes, rapidement, ils ont fait des négociations, ils ont peut-être parlé, et ça fait valoir avec les voisins. Mais bon, comme nous venons peut-être, nous, eh bien, nous allons faire que, comme nous pays qui ont des problèmes, tout, mais nous allons faire, et nous allons faire ensemble avec nous, puisque c'est nous-mêmes qui allons mettre l'ordre en Haïti. Bon, des pays, je veux dire là, la police, il y a des policiers dans le kidnapping, il y a des policiers dans tout le monde, au Kenya. Toute situation difficile, je veux dire, ces pays sont besoin de vous là pour venir mettre sécurité. Déjà, on vient de voir son gros bluff. C'est un gros bluff. Maintenant, il y a un paramètre pour connaître, un paramètre pour soulever sous question que je veux dire, c'est passé. Mais ça va passer en l'éclair. Il n'y a pas de Chinois là, il n'y a pas de Chinois, complication là-dedans. C'est que Ariel et ses sbires décident, après 30 mois, il n'y a pas qu'à régler un yen de pays, il y a volé, il y a gaspillé, il y a fait gagot, il y a fait crime, il y a fait massacre, il y a fait kidnapping. Eh bien, je veux dire, un pays a tombé, côté, ou bon, il a disparu, il y a pris un gagnant à l'vendre. Eh bien, Ariel n'est pas reconnu sorti là en matin avec une gouvernance, qui un changement de gouvernance, côté que le carreau mettait des bagages en question sous lui. Eh bien, il n'y a plus de bagages. Seul monde dans là, c'est créer Kaouan, et puis de Kaouan, tout bagaille à rebattre, ça veut dire que tout cap à rebattre depuis que Kaouan. C'est comme ça, je vois plein. Son plan bien,
Ah, ça veut dire selon selon même Yves André Joseph, ça a passé là jeune avec Améo a écrit situation dans pays là pour même c'est que yo c'est pouvoir tarder ça a passé là et selon même si selon ça veut faire comprendre là si pouvoir tarder ça et ça a passé dans pays là mais est-ce que moun pas besoin croire dans ça que nèg yo dit que c'est capoté Ariel Henry c'est quasi système là. Non, mais bon, le bagage est arrivé. Est-ce que son dimension là, puis dimension liée? Oui, mais tout, bon, c'est tout joué de Cap-Jeu. Là, son joué de mafia Cap-Jeu. Là, pas le bon, le bagage. Il y a deux bagages qui arrivent. À force que, parce que monsieur va me dire le bagage. La police, monsieur. La police, policière, mourit dans la condition de conduire. Bon, population, elle-même. Elle mourit dans tout sens. Faut qu'on dit tout, pendant nous reprocher la police là. Qui l'a cause aujourd'hui, hein? Population dans des situations difficiles parce que nous même tout nous impliquons dans des mauvais bagailles population. Et c'est triste, des jeunes policiers, des policiers cadres qui sont dans masse peuple, je dis, ils ont fait peuple en plus tard. Qui prend une cause que je dis, là où est tout, ils ont même délinquant à parler, et bien c'est comme si la population arrive dans un moment, il n'y a pas qu'on a qui sait pour le voir tête encore. Il n'y a pas qu'on a qui sait. Maintenant, vous nous retournez pour nous. Je dis, l'argent est rentré. Gouvernement prenait taxes augmentées, recettes fiscales augmentées, bah ouais. Lui prenait l'acheter machin, l'acheter nous, les armes, l'acheter paquet de bagailles, bah la police. Donc, monsieur, comment on peut comprendre, payer gangsterisé à 95%. 95%. Commissariat a boulé là. Monsieur, vous m'avez dit non, bah ouais. Bon, le mot policier, et non, commissariat, bon repos. Franchement, c'est triste. Imaginez, il y a pris le secours, deux jeunes filles gaspillées. Ouais, deux jeunes policiers gaspillées. Et puis, il y a deux problèmes munitions, problèmes moyens. Il n'y a pas de bacop qui pouvait nous porter au secours. Monsieur, là, il y a un portail organe. Commissaire, il y a un portail organe. Regardez comment machine a boulé. Regardez ces bagages. Monsieur, là, pénitentiaire national, malgré l'annonce d'être où il y a dû m'attaquer. Monsieur Negue Douanion allait, il a contrôlé par le national. Quand est tout l'argent, quand est tout matériel, ensemble d'organisation, là, sa idée, Nations Unies, comme paquet FMI, Banque mondiale, dit par la police. Côté moi, ça. Côté yo. Je dis là, pour si pas bon complot, pas bon complot, yon bagay planifié, bien orchestré par les autorités de ce pays, les mafias, les autorités qui ont kidnappé le pouvoir de l'État, est-ce que vous comprenez, il est aussi facile, capital le pays, pour vous retrouver dans des situations pareilles, juste à côté que prison, ce premier se casser là, le pays, pour aller tomber hier soir, côté que tout prisonnier dans la rue, c'est quelques grains, il y a compté, on va prendre combien qui était toujours. Il y a encore combien qui était. Ça veut dire que je dis, il faut nous comprendre. Plan son plan qui bien monté, les gars décidé, pas de gagner aucun changement de gouvernance dans le pays, hein, si ce n'est pas eux-mêmes encore qui renouvellent les têtes. Et le jeune support avec le flanc de la mafia internationale, avec les oligarques en Haïti, pour supporter eux, pour faire l'argent pour mener le pays dans cette tombe-là. Mais c'est, monsieur, c'est terrible! Sur un monde terrible qui a passé nous là. Donc, dans le 21e siècle, 3e millénaire, pour ce type de guerre humaine, ça va nous guérir au pouvoir. Pour ce type de monde, ça va mener un pays. Monsieur, c'est grave. Franchement. Et c'est triste encore. Mais Kounia, est-ce que il y a possibilité pour nous sortir là-dedans? Et sortir là-dedans, non, c'est comment la pied tout selon même. Et Blaise Banzo, depuis qu'un problème, identifier solution, nous a dit qu'il a déjà à moitié. Maintenant, c'est comment l'implémenter. Inévitablement, il nous faut une nouvelle gouvernance. Une nouvelle gouvernance avec d'autres compétences, pour s'appeler Joulan, des gens crédibles, honnêtes. Et je dis en là, et malgré toute dynamique de lobby qui fait pour empêcher, pendant presque 30 mois, que l'international, la communauté internationale, là, avec surtout son agression en Haïti, tout, parce que nous ne pouvons pas acheter la communauté internationale seulement. Il faut que nous disions que le premier blocage pour la nouvelle gouvernance, là, c'est en Haïti sorti. Et pas un bagage qui fait de manière innocente. Son bagage est planifié parce que il y a des gens qui sont tellement trempés
dans l'exaction, dans la malversation dans le pays, ça, corruption, ils craignent que si on changement de paradigme politique, de gouvernance, pour pas dans des situations de contravention avec la justice. Première blocage, c'est ici le sorti, entre les oligarques et des politiciens pourris. Et c'est des éléments de la société civile également. Faut nous dire ça. Je tiens là, ensemble de hypocrisie mafieuse, ça, que la cause que nous venons tourner la risée du monde. Et aucun pays, aucune autre nation, pas ouais, nous de bon oeil, y a toujours bon réserve sur le fonctionnement. Il y a toujours dit qu'il est véritablement, il n'y a pas fait bagarre ensemble avec nous. Parce que interlocuteurs qui viennent, c'est des interlocuteurs que la mafia, la machine de la pègre en Haïti, qui de connivence avec nos frères de la communauté internationale, c'est eux qui posent nous ensemble d'éléments ou qui sont individuels dans l'État, là, je veux dire, là, qui a joué l'État, qui la cause que vous trouvez là. Nous, toujours, il y a une opportunité pour que nous redéfinions la question, au moins pour eux, à partir de ça qui évolue dans la situation, précarité difficile dans la vivre là, nous passons le plus vite que possible, les véritables forces vives de ce pays, supposées réunies, moi-même, et moi, quoi que j'ai des démarches depuis jeudi après-midi et vendredi qui enclenchaient en ce sens, qui renforçaient même. Maintenant, l'immander pour que l'on célérité la question. Hein. Et puis, il y a un dépassement de choix qui doit être fait. Et fait parce que nous avons continué à espérer de quoi l'an demain sera fait. Parce que, bon, si on a pris là, nous, par contre, pour qui ça arrive encore. Tout bagay qui arrive. D'ailleurs, je dis dimanche, on a pris le dégât. Ils sont là où ils sont regardés. Ils sont là où parce que je penche de je compte. Madame Kabouté, Madame Chap. Et ça m'apprend dans le but en général, derrière de l'église Christroi, dans des zones de maquette, canapé vert. Je dis que c'est cadavre qui est papillé dans presque toute zone qui est environnée par le prince. Justement, ça veut dire qui ça? Je dis là, comment le peuple américain, la société américaine, la société française, la société canadienne, la société mondiale capable à tolérer de pareilles situations comme ça. Côté que c'est pas un pays en guerre, c'est un pays qui gagne une dérive de la délinquance étatique qui vient déboucher sur délinquance sociale. Est-ce que je dis, hein, nous avons quitté pays à pays uniquement parce que vous avez un petit clic de monde qui décide de prendre pays ça en otage. Je dis là, le monde entier ça a passé en Haïti. Et vous identifiez clairement le monde qui derrière ça a passé en Haïti. Je dis, pas y caché, mais encore, tout le monde compte qui monde qui cachait derrière situation catastrophe et catastrophique Haïti à vivre là. Maintenant, si bagaille arrive dans le moment, il y a des intérêts qui doivent redéfinir. Il faut que vous redéfinir. Parce que le peuple, le pays ne peut pas rendre pile le bagage avec personne. Il dit lui-même, il veut vivre. Il veut sortir pour fonctionner, pour battre l'occupation, pour aller à l'école, pour jouer une santé, pour jouer une décennie de stabilité, pour fonctionner lui-même. C'est ça qu'il a besoin. Je tiens là, pour qui ça? Une cyclique de monde mélangé avec l'administration Biden, l'administration d'Emmanuel Macron, l'administration de Trudeau, je dis, on veut prendre à continuer Kébé Haïti en otage, continuer et la vie peuple haïtien toujours très difficile. C'est pas possible. C'est pas possible. Faut aller un moins aussi bon secours avec situation dans le là. Il n'est pas possible. Mais quand il y a là, Yvan de Joseph, on nous regarde nous-mêmes comme acteurs politiques qui déjà tapent nos batailles face avec Ariel Henry et qui était quoi que Ariel Henry n'est pas gagné les qualités et Ariel Henry doit aller. Et nous, que Ariel Steel toujours été, bon, depuis après 7 février, nous ne connaissons pas Ariel Henry encore comme premier ministre en Dapia, puisque le TCI est un accord qui n'est pas respecté. Mais est-ce que ça dit, bon côté par nous, Yves André Joseph, que comment nous bataille que nous menons comme acteurs politiques avec ça que nek ti gezam illégal nan m'a fait dans la pays là, est-ce que nous dit que son bataille et qui ka mette mes charrières revendications nous tout en même temps, ou dit est-ce que nous même nous dit que son bataille n'a associé ensemble avec lui? Non, nous même on pas oublier ça, nous c'est des démocrates, nous respectons et nous croyons que dynamique combat c'est chita et parler et la meilleure formule pour que nous jouions nos sorties de crise, même si
Nous pas qu'à nos chita indéfinis. Nous pas qu'à chita tout le temps, n'a pas joué souhait et mafia, qu'on a besoin, et côté que nous n'avons pas joué. Le monde n'est du de négocier, le de chita, mais c'est sous coquerie, le bonhomme de quoi il y a là tout à côté de l'IO, tout le monde est aujourd'hui à côté de l'IO, et que nous-mêmes n'avons pas qu'à la dynamique encourager la question du nègre avec ZAM. Mais en même temps, la petite bagaille qui est claire pour nous, si même l'État, c'est lui qui a accès pour importer les âmes dans la durée, dans toute la coin, tout le monde connaît côté des âmes passé, qui monde qui achète les âmes, qui monde qui vient avec les âmes en Haïti, tout le monde qui a le droit de déportation, qui a une franchise, qui a une bonne bagaille. Écoutez, c'est l'État avec le monde, le gros partout là, au monde de la qui met les âmes dans mes esclaves pour diable. Bon, une bonne jeune femme avec jeune garçon aujourd'hui, hein. C'est des jeunes qui étaient à utile pour hein. C'est on a dit que c'est ressources pour eux, ils ont gaspillé encore une fois, ils ont gaspillé des jeunes qui ont plus de compétences qui étaient à utile pour eux, notre pays, hein. Soit dans l'armée, soit dans des domaines techniques, soit dans des domaines diplomatiques qui étaient à utile pour eux, dans des domaines culturels, ils sont pas capables, pas capables de gaspiller. Je dis à eux, faire, c'est parce que ils ont parlé de mes vins relève. Qui pour questionner davantage des as que tu fais pendant que tu diriges le pays. Mais pour ça, nous avons choisi de mettre des âmes dans mes femmes et jeunes femmes avec un garçon dans le pays hein, pour entraver, pour mouiller l'existence de cette jeunesse. Et puis, demain, si tu veux, pour dire que c'est des jeunes bon, qui ne peuvent pas gagner, ils vont poser des questions, c'est uniquement qu'ils ont toujours accroché avec des questions. Non, mais maintenant, il faut vous mettre dans tout le monde. C'est un bon mari qui met pendant les gars, mais jeunes femmes avec jeunes garçons, parce que parfois, bateau qu'on va y mettre, et qu'on va aller, et maman, et bon, peut-être même pour nous, tu es utilisé, non, fais ma, c'est pour le populaire, non, tout le monde, non, faut on des exactions pour eux, et bien, nous, ça, nous capables de jouer ensemble avec eux là, pour que nous, ça, tout cas, fait n'importe quelle exaction sur eux. Ça, c'est nous-mêmes. Ça, c'est affaire qui concerne eux, parce que nous-mêmes, nous, déjà, nous sommes opposition qui croit dans, nous, pas dans violence à personne du monde. Nous, pas dans l'aspect violence à personne du monde. Mais maintenant, ce gouvernement nous a utilisé à des faits de violence pour détruire le monde, pour détruire bien le monde. Maintenant, je dis, si on a décidé de prendre contre tout, ça, ça fait de l'ado. Même si c'est pas ça que t'as souhaité. C'est pas ça que t'as souhaité. Mais écoute, soit, prend la vie des jeunes qui t'a utile pays, qui t'a permettre pays prospérer, qui t'a permettre pays développer, dans tout le monde de ces dynamiques. Et puis je dis, c'est son fait avec eux. Ou acheter des âmes, ou lier l'existence, ou lier la vie famille, ou lier la vie société avec eux. Et puis je dis, si on y venait au moment où on les détruit, ou même comme gouvernement, qu'on les détruit, et c'est ça que je crois que je dis, on y a des bagages qui passent là. Senti malheureux, malheureuse, qui dans une populaire, ou gars, ou voir, en ensemble de bagages qui passent là, qui mourir pour diable. Mais qui ça a été dans la décision pays? Il n'y a pas de gens qui te disent qu'est-ce que l'État pays dans le monde. Il n'y a pas de droit de franchise. Il n'y a pas de rien dans le monde. Mais qui te disent, qui te couloir l'État, qui a dédouané les âmes, qui a fondé ces bagages pour nous. C'est moi, ça, on pense que jeune, ça, on est gaspillé. C'est jeune, ça, c'est calme, ça, on peut commencer à chercher. Mais même ça, moi, quoi que l'on dans le monde, pas qu'à l'hypocrisie. Pour nous battre. Non, aspect ça. Même si nous reconnaissons nous comme monde qui a battu dans le pays, comme des démocrates, qui ne pas la violence, mais pas quoi la violence, mais nous, faut que tu parles, en son fichier, tu parles, qui est réel et qui est vrai, qui est capable de porter solution. Parce que plus de 30 mois, je dis là, nous avons nous continuons à gommer, pour nous dire, gouvernement ça, gouvernement de facto, criminel, assassin. Kidnapper ça, il n'y a pas qu'à continuer, qu'il y ait la vie, population dans la condition ça, il n'y a pas gagné. C'est la vie qui j'ai eu, dans mes deux âmes, dans mes jeunes, aujourd'hui, là, il gaspille l'existence de jeunes, jeunes, il y a même eu du travail par rapport à avec eux. Maintenant, nous-mêmes, nous n'avons rien pour nous prononcer davantage sur ça. Bon, je vais vous dire, de Joseph, par rapport avec ce que vous avez dit, vraiment, rien n'est là, parce que c'est à mes jeunes garçons, yo, à mes jeunes, bon, alors, je ne vais pas dire rien, mais comme si, pour voir ça, pas rien n'est là, pour nous dire bien,
Et comment ouais, nous-mêmes comme acteurs politiques, comme si la bataille qui a commencé déjà, depuis bien avant 7 février, qu'on pouvait en place, surtout à travers André D'accord Montana, jusqu'à présent Ariel Henry là. Et est-ce que nous, ouais, comme si la bataille n'a pas possible là, libre à arriver que nous aboutit avec objectif pour le gouvernement, non pas avec Ariel Henry, puisque Ariel Henry dit que, li, bon, selon ça que qui t'a dit, hein, et sous tribune CARICOM, que li là pour organiser l'élection le 31 août 2025 en donc, Ariel montre que l'ICALA jusqu'à 2026, bon, même plus que ça même. Et comment nous-mêmes nous voyons comme si nous tel discours de Ariel Henry, et est-ce que nous voyons que ça Ariel dit, hein, faisabilité et la privée faire, et est-ce que nous-mêmes tout, nous avons des moyens en main nous pour capable et empêcher que parole Ariel que dit, hein, l'ICALA pour matérialiser. Et premier bagage, Nabdo et Blaise, ou un dossier qui a rapport avec l'intervention Ariel Henry sous tribune CARICOM. Écoutez, nous allons répondre si c'est un individu de Ariel qui était dans CARICOM. D'abord, parce que depuis le 7 février 2024, comme pour tout le monde, c'est le ça, monsieur, et après le 7 février 2024, je vais arriver à sur l'élection de la partie, le 7 décembre 2022. Mais même Bamdo, et dans le groupe à nous, nous sommes clairs que Ariel député, Ariel Pagaille. Maintenant, 7 février, comme c'est type d'interlocuteur, c'est ça, ça va avec. Maintenant, et déclaration Ariel prolonger tête pour 2025, pour faire élection 31 août 2025, c'est les Chinois. Ariel a parlé, bout de parole, parle, et nous-mêmes, au niveau de. Force vive pays, organisation et sociale, politique, nous ne reconnaissons pas Ariel. Et le peuple haïtien, il explique clairement, il est clair dans la position, que l'individu, ça, il ne connaît pas là. Il ne connaît pas là, il existe pour eux. Et on parle avec des dirigeants de la communauté internationale également pour dire, faites attention à la dynamique de ce Ariel, ça. Parce que Ariel, il ne connaît pas comme dirigeant de pays. Et je veux dire, Ariel qualifié comme terroriste. Parce que ce n'est qu'à diriger un groupe de terroristes dans quel pays-là. Et je veux dire, tout pays, quel est le niveau de l'école, qui prend mal et plaisir, qui est d'accord, qui est venu pour recevoir comme dirigeant haïtien, eh bien, je veux dire, nous qualifions tout pays, ça autour, des pays qui ont supporté des terroristes, des pays racistes. Et des bouts du pays racistes, on ne peut pas tomber pour qualifier comme des pays nazistes. Et c'est ça qui a prolongé là. Et nous disons, pas un guerrier engagé avec Ariel qui engageait le pays. Là. Ça a fait avec Ariel, c'est pas concerné Ariel. Mais nous-mêmes, au niveau de force vive, au niveau population, force vive nation, ensemble d'organisations sociales, politiques, économiques, et même d'Acadie, d'un pile, groupe économique et tout. Il a déploré tout rapport que l'ensemble de pays a tenté de finir avec Ariel. Il est clair, le groupe religieux est clair dans la position. Alors, si un pays Kounia, ou n'importe président, ou n'importe l'entité internationale, engagé des bagages avec Ariel qui concerne eux, à n'importe quel moment, on a déposé un document, on a décrété que le document ne va jamais déconner. Et il faut que vous nous le savez, qui voit Ariel, tes chefs, sous qui base te signer document avec Ariel, et sous qui base te bat Ariel autant d'accès, autant de privilèges. Parce que là, son complot contre Haïti, contre la nation haïtienne, nous comprenons, et nous-mêmes, les forces vives haïtiennes, nous avons façon d'organiser, d'aborder des questions, comme on chita parlé, nous connaissons chita parlé, et nous croyons qu'à partir de ça, Ariel fait là, dans le pays, Ariel pouvait éclairer son terroriste, son gang, son mafia, son cynique. Je veux dire, pas quoi qu'il y a aucun pays là qui a osé venir parler de Ariel avec Haïti encore. C'est fini. Et nous croyons que vous faites dedans, on soufflait tout près là, nous ne parlons comme nous. Nous avons une dynamique là, quand on organise une rencontre au niveau du Jamaïque là. Et bien, tout parti que vous voulez, je dis non, il n'en est pas question. Nous avons seul parti qui dit si tel, si individu est Ariel Papa, à qui tu faut que tu dis à qui tu la plat. Ok? Ça veut dire que je veux dire, ce personnage, pour moi-même, bon, comme je suis pas ambassadeur pour le pays, bon, son ambassadeur pour le pays, c'est pour qui par contre ça, son personnage est Ariel Kounia pour nous. D'accord? C'est clair. Et nous voyons, nous écrivons. Aucun pays dans le monde, aucune société, aucun élément ou individu dans le pays
pas engagé quoi que ce soit avec Ariel, eh bien, nation haïtienne n'a apprenant au nucléaire au moment opportun, n'a pas pu adresser cette question ça correctement sur le plan juridique et moral. Très bien, Yves André. Et gain ambassade américaine en pile mouvement manifestation mobilisation à fait devant ambassade yo dans l'idée pour demander et gouvernement américain ou bien gouvernement canadien et même gouvernement français pour désolidariser yo avec Ariel Henry. Selon nous, nous senti que vis-à-vis avec accord qu'il décision mandat fini et yo pas entendre la raison sorti 29 février pour arriver pour journée 3 mars là gagner yon note qui sorti des ambassades américaines pour demander avec ensemble et citoyens américains qui allé dans pays là pour faire coûte que coûte pour arranger pour quitter pays là. Est-ce que nous ca dire une décision comme ça là pour permettre nous même qui t'a demandé communauté internationale la priorité prendre responsabilité par rapport avec ça qui passé là que ça demande nous pour satisfaire vu que on demande pour citoyens qui quitter pays là. Non, pas, non, mais Mando, nous trop bien ébus de la diplomatie internationale et les jeux de coquins. Moi, ça, les gars, pour nous pas rentrer dans la dynamique et pour nous parler de pays. Parce que ça vient pour nous bagarre comme si on jouait. Ambassade américaine, ambassade France, ambassade Canada, toujours est-il, parfois, on était au lago de notes. Pour nous montrer à la situation intenable là, on a le dollar que nous même encore, nous c'est des artistes, on prend, et de situation ça, le plus souvent, ok? Et nous toujours montrer que, ah bon, nous m'a des ressortissants nous, pour Ravina, mais nous connaissons ça, c'est toujours des jouets coquins, vous voyez? C'est jouets coquins. Et bien, jouets coquins, ça nous m'a des rejouets, parce que, écoutez, peuple haïtien pas bon problème avec le peuple canadien, peuple haïtien pas bon problème avec le peuple français, encore moins le peuple américain. Le peuple haïtien a demandé à ce que le gouvernement pays ça, il a commencé à ressaisir pour comprendre la nécessité que je dis, Haïti m'a demandé l'autre dynamique de partenariat ensemble. L'autre dynamique de partenariat, ça, à côté que le peuple haïtien dit, il n'y a pas qu'à continuer à supporter des malfrats dans le pays. Il n'y a pas qu'à continuer à supporter dynamique corruption dans le pays. On va pas continuer à comprendre, c'est un volet seulement pour le traiter dans tel pays. Mouns, gen moun sérieux dans le pays. Pays, c'est toujours qu'on gen moun sérieux. Gen de bons interlocuteurs, de moun compétents, de moun qui honnête, qui crédible dans le pays, qui a traité avec l'international. Écoutez, les affaires de l'État, arrêtez les affaires de l'État. Maintenant, si vous avez des bagages que vous voulez traiter avec le pays, ou bien vous avez un bagage ou la caille que vous voulez prendre. Mais on peut obliger ces voleurs pour encourager venir dans notre pays pour qu'ils volent les bagages ou bien pour continuer et pour en bas pour qu'ils soient pas chita en tant que pays. Au moment de la traiter avec moi, eh bien, une richesse, ouvre les batailles, ouvre les prêts, ouvre les joints de richesse là. Eh bien, moi-même, peut-être mon expertise bagaille, peut-être une capacité que bagaille. Eh bien, comme nous venons chita, moi j'ai des interlocuteurs qui valables, qui cachent à parler avec vous pour tout, et bien voilà, et là, mais comment on appelle, si c'est juste ça me dit, mais comment on appelle, on peut obliger Américains, Canadiens, Français, parce que c'est volé tout le temps dans le pays, uniquement pour être capable de gérer ses intérêts restés. Donc, nous demandons, peuple canadien, peuple français, peuple américain, pour que vous ressaisissiez, demandez au gouvernement ça, ressaisissiez, pas possible. Parce que ce sont les enfants haïtiens qui appelle toujours le prix, côté que nous pas mourir. Regardez quelle situation on a vu aujourd'hui là. Et sortant bien là, c'est maladie, épidémie pour commencer à craser l'environnement. C'est ça qu'on arrive là, dans le cabinet. Ça va bouler, cadavre qui va finir bouler, cadavre qui va finir manger. Toutes les situations. Je veux dire, nous l'aide. Pas même l'aide au cas, nous ne c'est une situation difficile. Je veux dire, est-ce que. Politique génocidaire ça, politique internationale génocidaire ça. Est-ce que c'est lui-même le troisième millénaire plein 21e siècle que des puissances qui disent que y a qu'on va le monde, y a qu'on y a une démocratie, y a des ceci la caillou, respect des droits humains. Et puis c'est ça la prouvé là en Haïti. En Haïti c'est ça fait là. Nous-mêmes on dit non. Question, fait-il notre sortie, exhorter, ressortir ça? Vous ne pouvez pas savoir ressortir ça?
référons par l'autre note qui pour dire désormais les États-Unis, la France, le Canada décidé, eh bien, de ne pas traiter avec beaucoup de voyous encore en Haïti, eh bien, de décider pour une nouvelle gouvernance. En partenariat avec des interlocuteurs valables, fiables, honnêtes, pour traiter la question politique haïtienne, maintenant pour redéfinir partenariat avec Haïti. Lorsque notre ça a sorti, lorsque ça a compris le gouvernement a fait, mais notre question exhortée ressortie sur le gouvernement, c'est notre mafie, notre mafieuse, il y a des années à faire notre ça, il n'y a pas de l'homme qui est sérieux d'ailleurs, il n'y a pas de l'homme qui l'a tout demandé, ressortie sur le gouvernement, il n'y a pas de rentrer en Haïti. Nous, j'aime moins notre, nous toujours sorti notre ça est notre automatique, moi j'aime moins notre qui dit, eh bien, pour n'y avoir la résoudre, nous allons retourner. Mais c'est j'aime, nous j'aime donc de notre ça a sorti lui-même, notre pour dire, qui l'a pour ressortir sur le gouvernement. C'est un jeu de mafia, mafia économique nationale, mafia économique internationale à Brûla. Et nous-mêmes, il faut que nous plus intelligents, il faut que nous montrions nous plus mariés. Et Mathil, écoutez, au moment où on parle ensemble avec nous là, comme responsable d'organisation, qui c'est, moi, c'est à la fois politicien, écoutez, nous n'avons pas de problème personnel avec le gouvernement américain, ni le gouvernement français, le gouvernement canadien. Pas de problème tout avec mes frères caraïbes, mais de problème personnel avec eux. Nous demandons pour que je dise, je ressaisis, puisque côté bien, je connais ça que je veux faire. Ça que je veux faire pour aider Haïti, je connais. Mais il y a caché, il y a caché, il y a montré leur visage, comme quoi il y a un jeu d'hypocrisie avec nous. Parce que si on continue, si c'est que ça rejoue le ça, moi-même comme responsable d'organisation, comme haïtien tout d'abord, comme citoyen haïtien, engagé, formé dans le pays, qui est le pays, je n'ai pas peur de dire ça, je pense. Et là, je parle, je ne vais pas parler de nom seulement, je parle au nom de l'organisation côté me sortir, structure côté me sortir. Parce que je dis, je dis non, mais ça, Amérique a fait là, il y a des pays. Ça français, américain, canadien, fait en Haïti là, qui des pays ici à faire, pas même pour virgule, ne pas plutôt le même là-bas. Pour qui ça a fait ça avec nous là? Pour qui ça a fait ça? Pour qui ça a supporté ça? Ça veut dire que c'est des pays qui prennent des voyous la caillou, des voyous économiques, de prendre en otage avec des vagabonds, des immigrants, ou Ariel Henry et ses mires, pour conduire pays, non, pas tout tomber, non, génocide, tel que ça nous commence à vivre. Et c'est regrettable. Nous demandons, peuple américain, peuple français, là, c'est la natale. Ça a cabine là, ou bien après les Haïtiens qui sont bien avec nous. Ça a dit, ah, nous avons des nouvelles, oui. Et par exemple, la crise, ça a besoin de la caillou. Nous avons besoin que même mobiliser la caillou pour dire au gouvernement la caillou, ça n'a fait en Haïti là, c'est pas possible. C'est pas possible pour continuer. Et la exhorté, on a profité de dire, la diaspora haïtienne qui vit dans le pays, ça. Je dis, nous croyons, donc pile là, nous avons fait force, c'est vrai, à travers des organisations qui ont gagné. Mais nous estimons qu'on faiblesse. Parce que si pas de faiblesse, l'organisation qui est là, année 86, dans la diaspora, avant 86, c'est des organisations jusqu'à 90. C'est des organisations, le Haïti était dans des situations difficiles comme ça. Qui était qu'on levait au matin, ils ont bloqué des ponts aux États-Unis. Ils ont bloqué des côtés au Canada, en France. Des grandes manifestations. Où sont ces Haïtiens? Oui, bon, je vais avec madame Célizier, je vais avec Yves André. Très bien. Tu vas demander Yves André pour résoudre la crise qui est là par rapport avec l'ampleur qu'il prend là. Est-ce que pour lui-même, il y a son bagage qui paraît facile vis-à-vis avec des chefs de gang qui étaient dans la prison qui jouent une libération yo, par rapport avec ça qu'il connaît qui est dans la rue là, qui est très très violent. Si nous avons fait mention, on est pour Dimitri Yera qui était dans le dossier assassinat président républicain Jovenel Moïse. J'ai la guerre civile qui est dans la rue, je dis, et c'est des gens qui pratiquent la question armerie. C'est des gens qui pratiquent, qui font métier des armes. Et les gens qui aller dans le village de Dieu, il y a le Canaran, je dis, le problème dans le pays d'Haïti, il est venu 4 fois plus, parce que les gens qui ont gagné des moyens pour former les gens qui sont dans la rue avec les armes qui ont gagné dans la mémoire pour commettre. Plus de dégâts avec des tirs au cadre. Est-ce que vous avez ouais, pour avancer, vous avez avancé. Vous avez même, bon, Dimitri a parlé en force, ça va dire, si c'est ta bagage, mais le regard des nègres qui a frappé là, ou pas comme si, ou pas touche barbecue dans les nègres?
Non, mais qu'on y a, qu'on y a pas de soit-il ça yo là, soit-il nek ça yo, tant que Dimitri, tant que encore qui c'est de gros bandits yo yé, ou pas senti comme si des Ivenes, que situation va venir plus compliquée jusqu'à venir là yo. Bon, et c'est des, sacré ma guerre avec, il va détourner avec encore là, m'a pas passer avec question là. Yvandré? Allô, Yvandré? Oui, voilà. Oui, si t'as pas posé aux questions, il a même quitté des questions question pour avancer au même. Deuxième avancée. Yvandré, par rapport avec évasion de grands calibres ou de haut niveau qui fait dans pénitencier national, nous connaissons dans la prison ça ensemble des bandits notoires en dedans pays d'Haïti qui la police gagne chance arrêter, la justice condamné, c'est dans pénitencier national qui y été. C'est n'a fait mention des nègres qui pratiquaient métier des armes. Dimitri Era, Jean Civil Laguerre, qui était non yo inculpé dans dossier assassinat président République là. Monsieur ça au gars dans la nature je dis, selon vous, ou pas imaginer que pral plus que yon barbecue en dedans ghetto dans base côté aller yo. Problème pays a pas vite plus ak nèg sa yo qui dans la rue. Bon, et désir le n'a pas de problème yo avec évasion ça qui fait dans pénitentiaire national là. Non pas qu'à garder son aspect comme si nous avons petit problème là, comme si ça qui est dans masse problème là. Comme si le gros du problème. Et ça qui est dans. Et à nous garder problème là dans tout ampleur, OK? Ampleur. Parce que qui ça mène nous là? Ça mène nous tomber dans sac produit hier soir. C'est bon bagage qui fait pour la première fois, bien souvent les fait dans genre de le pays à traverser genre de crise ça leur crise d'incompétence, leur crise d'accabondage politique, leur crise côté que gagne des formes avec garçon qui prend l'état comme l'état pour jouir seulement pas rien comme devant en termes de service et pour en la population et le plus souvent leur tomber dans dynamique ça corruption a gangrené toute société et toute administration publique là. Côté que je dis un bon bonne femme avec garçon, c'est dans la prison pour tailler, je dis mon marché. Eh bien, depuis arriver dans la situation ça, la parole débouchait inévitablement sur le type de sacrivé dans la pénitentiaire nationale qui habitué arriver déjà. Je dis un arrivé dans une dimension qui pire catastrophique par rapport avec ampleur, monsieur Gagnon vient gagner sous territoire là côté que vous prenez plus il y a gagné plus territoire là mais que l'état central là soit disant l'état central là gagne et je dis maintenant lorsque situation est arrivée m'pas pas uniquement rentrer pour regarder et tout ça qui dans la nature qui égaré dans la nature ou bien qui retrouve tel côté même pas regarder qui ça même dans problème ça si il y a nèg ça en de prison qui égaré dans la nature est-ce que là parce que très bien ça l'ont pas arrivé et garder ou pas arrivé ouais comme ça ou pas rentrer dans comme si pas capable si dynamique problème à l'intérieur là pourtant le problème qui mène là comme si élément précurseur qui mène là c'est lui qui questionnait avant tout pas de doute maintenant l'élément précurseur mais qu'on y a Yvandré comment qu'on y a on garde on y a s'ouvre que nous aller à l'intérieur pour ne pas arrêter de l'extérieur. Ou font lecture des groupes moun qui derrière on zak comme ça planification parce que il pas aller font bon matin pour monsieur Bandio dit objectif c'est al pénitentiaire national est-ce que selon ou li gon groupe moun désir aller on m'a avancé désir m'a avancé parce que il va dire tomber encore oui on m'a avancé oui on finit très bien il va dire est-ce que selon ou li gon groupe moun qui planifie parce que Bandio va pas lever des propres gréo pour te dire pour attaquer pénitentiaire national. Si bon groupe moun ki derrière qui ça a comme intérêt qui permet que yo soit servi avec bandi ou bien nek qui avec zame légal yo pour faire évasion ça dans pénitentiaire national. Moi répondre question ça point que Blaise te posé moi te répondre et moi dans une analyse dans intervention soit ou même ou Blaise sur fait dans début émission moi te dit et il était clair ce besoin justifié. Une intervention, il y a besoin pour que les forces étrangères
pour gérer intérêt yo, pour venir protéger intérêt yo et protéger yo par rapport à ensemble de dégâts qui fait là et nèg pa vle quitter là pour son le gouvernance qui vient installer là côté que en pile là yo pral gagner des procédures judiciaires qui capable faire contre yo par rapport à gabji par rapport à ensemble de malversations yo fait dans tête pays hein. Et bien pour cela depuis la question sanction yo bon ensemble de ti monsieur dame oligarque yo yo gon façon planifier yo organiser et bien qui sermenté même que pays ça a gen moun k'ap fè ou perdu contrôle l'état et perdu contrôle pays an. Au lieu pour ou t'ap perdu contrôle pays an, ou préféré du pays an à un chaos total. C'est-à-dire que génocide pas direction rien et ou gen des supports de d'une frange de la communauté internationale que nous connaît des moun tankou la madame la ligne des moun tankou Sisson des moun tankou plus gen pas mal de l'autre comme si k'ap supporté ou qui dans l'anonymat que nous pas connaît qui n'en France communauté nationale. Là, je veux dire qu'ils retrouvent dans des administrations, tant que l'administration Biden, non. Si je nomme ça qui est dans l'ambassade de France, là, et Patrice, je ne vais pas rappeler ce nom élément ça. Eh bien, et l'ambassade de France, je nomme cette promotion, ensemble de vagabondage, Ariel Henry fait dans notre pays aujourd'hui. Hein. Et yo mordicus et yo pas faire de manière innocente yo faire en fonction de intérêt que Ariel Henry yo gagne avec gouvernement de facto mafia corrompu qui là et faut peuple français comme ça faut peuple canadien comme ça et gagne l'autre à exploiter au niveau de dans le nord par le Canada par des compagnies canadiennes faut nous comme ça. Faut nous connaît que aux États-Unis gon bonne qui gagne aspect dossier jury dossier on paquet dossier exploitation de mines et mine pétrole que nous gagne en Haïti. Je dis là je nous gouvernement de voyous, de malfrats et de fripouilles qui offre des privilèges côté que pas gagne trop et question pour poser ba yo. Yo préférer fonctionner avec eux. Ça c'est la mafia, c'est la pègre, c'est la machine de la pègre. Qui prend pays en otage, je dis, pour justifier que pays en vient tomber dans le chaos, ou n'y a sous tomber dans le chaos, dans le pralé là, ou on génocide en rage la chaos. Gede chaos, pas pral considéré au rapide, gede nek qui fin fait vol, qui fin fait crime là. André, pays a tombé dans le chaos, déjà, ou imaginez un pays qui presque a fonctionné avec majorité commissariat, soit attaqué, ou bien brûlé, ou bien assiégé. Ou bien prison crasée bon moi c'est ça l'état ou AVC était on a l'autre bagarre attaqué boulé et des HMC ministère communication yes, vandalisé alors ça parce que nous dans chaos nous dans chaos c'est vrai mais pendant nous dans chaos gon bagarre qui faut moi dire et même communauté internationale parce que son gros bataille qui gagne là aux États-Unis un gros bataille qui gagne là. Et par contre, pour la France, là, parce que, écoutez, si je nomme la guerre là, qui est le Patrice là,